Mes chers collègues, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Basti. Bonjour, Madame. Nous allons commencer nos travaux pour cette matinée avec la séance publique et ensuite la commission plénière. Je salue Monsieur Basti ainsi que Madame la secrétaire générale adjointe. Vous avez été convoqué donc en séance publique diffusée par mail le 16 février 2022, suite à une demande de session extraordinaire formulée par Monsieur le Haut-Commissaire par courrier en date du 11 février 2022, en application des dispositions de l'article 66 de la loi organique statutaire. Monsieur le secrétaire du bureau, est-ce que vous pouvez vérifier si les conditions de quorum sont réunies, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour. Madame Baquet s'est absente, donne procuration à Madame Barbie. Madame Barbie. Monsieur Blaise est absent, donne procuration à Monsieur Saliga. Monsieur Brial. Monsieur Brinan est absent, donne procuration à Monsieur Panga. Monsieur Cruny est absent, donne procuration à Monsieur Wachetine. Monsieur Cuyenon. Monsieur Djaoué. Monsieur député Dunoyer. Madame Rissouquet. Monsieur Madame Fèvre est absente, donne procuration à Madame. Je n'ai pas le nom. À quelqu'un. Madame Falayo. Madame Monsieur Favreau. Monsieur Frogier. Président Goua est absent, donne procuration à Madame Tidjine. Député Gomez est absent, donne procuration à Monsieur député Dunoyer. Monsieur Goromido est absent, donne procuration à Monsieur. Oh là là. Coité. À Madame Coité, pardon. Madame Eo est absente, donne procuration à Monsieur. Madame Moretra. Madame Jalabert. Monsieur. Madame Caloïne est absente. Madame Cac. Madame Coité. Madame Wright est absente, donne procuration à Madame Nesline. Président Allier, Madame Machoro-Caroline Rény, Madame Malfa est absente, donne procuration à M. Brial, Madame Manu Halalo, M. Mesdorf, M. Michel, Madame Montagna, Madame Nesline, Le président Néotine est absent, donne procuration à M. Djaïwe, M. Pabouti, M. Panga, Mme Kaizé, Mme Refinac est absente, donne procuration à Mme Jalabert, Mme Sakilia, M. Sako, M. Saliga, Saliga Litovica, M. Sawa, Mme Souvé est absente, Mme Tidjin, Madame Tioué, Madame Toufélé, Monsieur Tokoumouli est absent dans la procuration, Monsieur Madame Falayo, Monsieur Tutugoro, Madame Vendégou, Madame Waïtra, Madame Waka, Président Wamitan. Présent. Monsieur Wanu est absent dans la procuration, Madame. Oh là là. Quelqu'un? Monsieur Wachetine. Madame Wateo est absente, donc procuration, Madame Monsieur Favreau. Monsieur le Président, le quorum est atteint. Merci, Monsieur Saliga. Madame la secrétaire générale adjointe, est-ce que vous pouvez procéder à la lecture de l'arrêté d'ouverture, s'il vous plaît, de la session extraordinaire de ce matin? Oui, Monsieur le Président, et peut-être juste pour préciser certaines procurations, donc Madame Fèvre a donné procuration à Madame Thiéoué. Et nous venons d'enregistrer deux autres procurations, M. Frogier à Mme Vendégou et Mme Suvé à Mme Touffelé. Donc la lecture de l'arrêté. Arrêté portant ouverture de la session extraordinaire du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Article 1er. La session extraordinaire du Congrès de la Nouvelle-Calédonie est déclarée ouverte le mardi 22 février 2022 à 8h52. L'article 2. La présente session extraordinaire ne peut excéder un mois. Et l'article 3 est l'article de transmission.
Bien, merci Madame la Secrétaire Générale Adjointe. Nous avons donc pour ordre du jour ce matin un projet d'arrêté portant désignation au sein des commissions administratives spéciales des personnalités qualifiées indépendantes. Pour rappel, il y a eu un courrier de M. le Haut-Commissaire daté du 11 février 2022, accompagné du projet d'arrêté portant désignation au sein des commissions administratives spéciales des personnalités qualifiées indépendantes. Un projet d'arrêté modifié portant désignation au sein des commissions administratives spéciales des personnes qualifiées indépendantes diffusé aux conseillers le 18 février 2022 avec des biographies courtes des experts électoraux de l'ONU 2022 diffusés aux conseillers le 21 février. Un projet d'arrêté modifié portant désignation au sein des commissions administratives spéciales des personnalités qualifiées indépendantes diffusé aux conseillers le 21 avec une biographie courte d'un expert diffusé aux conseillers le 21 février 2022. Pour mémoire, le Congrès avait rendu un avis sur un projet d'arrêté portant désignation au sein des commissions administratives spéciales des personnalités qualifiées indépendantes au cours de sa séance publique du 22 février 2021. Monsieur Rémi Basti ou Madame Faro, avez-vous à ce stade une intervention liminaire à faire? Je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les membres du Congrès. Comme vous le savez, en application du décret du 23 décembre 2015, pris pour l'application de l'article 189 de la loi organique, le haut-commissaire désigne les personnalités qualifiées indépendantes, dénommées observateurs, qui assistent aux travaux des commissions administratives spéciales chargées de réviser les listes électorales spéciales. Comme vous le savez également, puisque l'exercice est récurrent, l'usage est que ces observateurs soient des personnes désignées par les Nations Unies, avec lesquelles nous avons l'habitude de travailler. Cette année encore, en vue de la révision de la liste électorale spéciale pour les élections provinciales, les Nations Unies ont été sollicitées par le Premier ministre afin que soit désignée une équipe d'experts chargée d'assister aux travaux des commissions. Comme ces experts sont aujourd'hui bien connus des Calédoniens, certains viennent depuis de très nombreuses années maintenant, nous avons proposé à nouveau que soit reconduit M. Loada comme président de cette commission d'experts. M. Loada, qui lui-même est bien connu, était présent à chaque scrutin et à l'occasion de toutes les révisions depuis au moins 5 ans. Compte tenu de quelques difficultés pratiques pour faire venir des experts qui, pour certains, viennent de très loin, nous avons dû rajouter, j'en suis désolé, par saisine rectificative, un nom hier, afin de garantir que toutes les commissions puissent se tenir en temps et en heure, puisque nous avons des difficultés concernant deux représentants des Nations Unies qui, pour l'instant, sont bloqués. Pas forcément à leur point de départ, mais plutôt en transit. Nous espérons arriver à les faire venir le plus rapidement possible. J'ajoute également que la liste des représentants des électeurs qui sont désignés par les partis politiques représentés au Congrès sera pour sa part soumise à l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demain. Ça complétera donc la composition des commissions administratives spéciales. Voilà, Monsieur le Président, ce que je peux dire en introduction sur ce texte très habituel pour le Congrès. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Je vais ouvrir donc la discussion générale dans le cadre de l'examen de ce projet d'arrêté. Est-ce qu'il y a des interventions? Monsieur Michel? Ah non, merci. Bien, s'il n'y a pas d'intervention dans le cadre de la discussion générale, nous allons passer à l'examen du projet d'arrêté. Nous avons donc 3 articles. Madame la secrétaire générale, vous pouvez procéder à la lecture. L'article premier. Les experts désignés ci-dessous sont nommés en qualité de personnalité qualifiée indépendante sans voix délibérative au sein des commissions administratives spéciales chargées de la révision de la liste électorale spéciale pour l'élection des membres du Congrès et des assemblées de province et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin. Monsieur Augustin Loada, Madame Martha Cardona,
Monsieur Germain Amoni, Madame Armande Kofi Kra, Madame Sheila Serrano, Monsieur Ousmane Touré, Madame Roland Ziegler, Monsieur Pacom Kassichou, Monsieur Serge Passiti, Monsieur Ousmane Diarra et Monsieur Dimbi Randria Naina. Sur l'article 1er, est-ce qu'il y a des interventions, des observations à faire sur cet article? Pas d'intervention, pas d'observation. Je vais donc mettre aux voix l'article 1er qui est pour. L'article 1er est adopté à l'unanimité. L'article 2. Monsieur Augustin Louada est désigné en qualité de président des observateurs. Sur l'article 2. Pas d'observation, pas d'opposition. C'est adopté. Article 3. L'article de transmission. L'article de transmission, c'est adopté. Sur l'ensemble de ce projet d'arrêté, quelqu'un souhaite prendre la parole à ce stade? Non, je vais donc mettre aux voix ce projet d'arrêté. Qui est pour? Contre? Abstention? Le projet d'arrêté est adopté à l'unanimité. Alors, nous allons lire... Ah ben oui, sur l'avis, oui, pardon. Monsieur Travers? Non, mais allez-y, alors. Donc, avis sur le projet d'arrêté portant désignation au sein des commissions administratives spéciales des personnalités qualifiées indépendantes. Donc le Congrès formule l'avis suivant. Le Congrès de Nouvelle-Calédonie réuni le 22 février 2022, saisi pour avis sur le projet d'arrêté portant désignation au sein des commissions administratives spéciales des personnalités qualifiées indépendantes, formule son avis dans le sens des observations suivantes. Premièrement, la liste des personnes désignées à l'article 1er du projet d'arrêté en qualité de personnalité qualifiée indépendante recueille un avis favorable du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Deuxièmement, la désignation de la personne mentionnée à l'article 2 du même objet, du même projet d'arrêté, pardon, en qualité de président des observateurs, recueille un avis favorable du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Le présent avis sera transmis au haut-commissaire de la République ainsi qu'au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Bien, merci Madame la Secrétaire Générale. Adjointe, sur ce projet d'avis, pas d'observation, pas d'opposition, c'est adopté. Madame la Secrétaire Générale, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez procéder à la lecture de l'arrêté de clôture de la session extraordinaire du Congrès? Arrêté portant clôture de la session extraordinaire du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. L'article 1er, la session extraordinaire du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, déclarée ouverte le mardi 22 février 2022 à 8h52 et clôturée le même jour à 9h. L'article 2 et l'article de transmission. Bien, merci. Monsieur Bastille, Madame Faro, merci. Vous avez quelque chose à rajouter ? Non, simplement souligner, Monsieur le Président, que nous réunirons jeudi le groupe de travail sur les listes électorales. Avec un certain nombre des membres du Congrès qui sont présents. J'incite tout le monde à venir. Ce sera l'occasion de faire un point détaillé sur l'ensemble de ces sujets. C'est jeudi à quelle heure, monsieur? C'est jeudi à 14h30. Mais la convocation a été reçue par l'ensemble des membres de ce groupe de travail. 14h30, pour ceux qui n'ont pas lu la convocation. Hein. Voilà. Au revoir, monsieur le secrétaire général. Hein? Ah mince. Mes chers collègues, la convocation de la commission plénière est à 9h30, on est un petit peu en avance. Donc moi, ce que je vous propose, c'est...